Bonjour, je m'appelle Chaline Drouin, j'ai 20 ans et je vais vous parler brièvement de mon cheminement avec Dieu. Tout d'abord, je suis née dans une famille chrétienne, donc j'ai pu dès mon jeune âge connaître Dieu et par l'entremise de l'Église et de ma famille, j'ai pu aussi avoir de bonnes valeurs, d'acquérir de bonnes valeurs qui me seront pour le reste de ma vie. J'allais à l'Église à tous les dimanches. Et dès mon secondaire, j'ai commencé à y aller à tous les vendredis. C'est vraiment vers la fin de mon secondaire et durant mon cégep que je me suis éloignée de l'Église, de mes amis chrétiennes et aussi de ma relation avec Dieu. J'ai commencé vraiment à délaisser tout ça. Lorsque j'y retournais, c'était vraiment par routine parce qu'à tous les dimanches, avec ma famille, on allait à l'Église et pour ne pas décevoir mes parents. Durant cette période-là, je voyais pas que j'étais perdue sans Dieu parce que pour moi, j'agissais comme une personne très normale, j'étais correcte, tout ça. Je prenais pas de drogue, je buvais pas non plus. Donc pour moi, je me sentais pas perdue. Mais malgré tout ça, Dieu m'a protégée, il m'a gardée dans ses voies parce que il a mis sur mon chemin des amis chrétiens qui m'incitaient toujours à revenir à l'Église. Et j'avais aussi des modèles, mes grands frères et mes sœurs qui allaient constamment à l'Église. Donc, j'y retournais peu à peu et j'ai de nouveau accepté Dieu dans ma vie. J'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui parce que pour moi, le baptême, c'est pas seulement une nouvelle que je fais devant tout le monde. C'est vraiment une décision que j'ai prise, que j'ai réfléchi aussi. C'est une signification pour moi importante. Et un peu avant la retraite pour les jeunes adultes, j'ai vraiment fait une réflexion sur ma propre vie et j'ai vraiment réalisé l'importance de Dieu dans ma vie et j'ai décidé de lui donner et vraiment de pouvoir cheminer avec lui le reste de mes jours. Et je veux pas perdre une minute de plus avec Dieu. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui, parce que je veux vivre la vie éternelle à ses côtés.